Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce live du samedi soir sur Star Fox Adventure. Donc, un des premiers jeux sortis sur GameCube que je trouve juste excellent. Bon, je cache pas que ce soir j'avais prévu de faire You Don't Know Jack, mais bon, malheureusement ça marche pas. Alors, You Don't Know Jack, oui, c'est normal, il n'y a pas le son du jeu, je l'ai pas encore activé, c'est normal. Alors, donc Star Fox Adventure, très bon jeu, hein, sorti en 2002 avec la GameCube, hein, ça. Putain, tu vois, j'ai même pas changé mes sauvegardes, donc Final Sauvegarde, il est malade. Hein. On est malade parce que j'ai. On va dire que j'ai redécouvert au jeu, là, si ça se voit que j'ai pas joué au jeu parce qu'il y a encore toutes mes sauvegardes. Hein. On va faire PS comme d'hab, que je sache que ça sauvegarde pixel, et on est bon. Yep, on est parti. Donc Star Fox Adventure, c'est un genre de shoot, aventure, action, de tout le tralala. De ce gars à 99%. Allez, au fin fond de l'espace, une jeune femme du nom de Krista cherchait la vérité sur la mort de ses parents. Alors qu'elle se trouve dans un coin perdu du système solaire de Lila, elle reçoit un appel de titre correspondant sous le nom de... Mais laisse-moi lire, bordel. Pardon. Ok, voilà, on est... Bonjour Crystal, hein, ouais. En fait, alors c'est pas de l'anglais, c'est du dinosaurien sous-titré. Alors généralement, ma chère, c'est quand tu reçois un signal de détresse, c'est jamais bon. Évidemment, à chaque fois, il y a deux phases de jeu dans Star Wars. War 3, on va dire que la troisième c'est entre guillemets. On a les phases de shoot et les phases d'action dans le jeu. C'est-à-dire qu'on constitue 75% du jeu. Les phases qu'on va avoir là c'est 15% du jeu et 10% du jeu c'est ennemis. Ah de pas comme ça je ne comprends pas. Ah merci sous-titre sur le coup. Ah donc là voilà, phase de shoot. Voilà. Ok, stick. Inversé. On n'a pas de vie, on est en mode immortel. Je vois que c'est tutoriel, faut pas se faire tenter. Eh oui, parce que... Ah, je prends des dégâts, mais c'est pas grave. Ça va faire mieux. Ah, pas de shmup. Hein. Évidemment, je vais répondre à la question, est-ce que c'est juste un live? Eh ben oui. On a un bâton qui est pété, qui tire des munitions, qui tient deux et on a des... je sais pas comment ça s'appelle, les vaisseaux des Star Wing et tout le truc. En fait, le Star Trek. Alors, quel moteur ça a été fait à la base, je ne sais même pas. Ouais. Je me souvenais pas que la tête, la proue du bateau, elle bougeait, on va dire. Ça va, ça c'est... Non, ça je m'en souvenais pas. Le son du jeu est un peu fort, ça aussi. Voilà. C'est bon, ça va être bon. C'est ça le problème quand tu passes de jeu PC à jeu... C'est pas forcément tous les réglages qui sont corrects. Alors quand on... Ah donc là on attaque la deuxième phase du jeu, c'est-à-dire les actions, le bordel, on a pied. Franchement, t'as pas d'armes et tu demandes qu'il se casse, je pense pas que ça soit une bonne idée perso, mais bon... Écoute. Attention, votre aventure commence. Ah, il y a même la santé qui est arrivée, on arrête les conneries. Crystal, du galion, appuyez sur L pour... Vous pouvez peut-être entendre une voix. Ok. Ok, L c'est la version... Ouais, L c'est comme dans Zelda, c'est... Ah, c'est bon, on peut partir. Alors ils disent que je peux entendre des voix si j'écoute bien. Ouais. Là.
Voilà, un petit didacticiel, c'est bien, c'est pas... Oui, c'est un jeu rare war, hein, c'est... quand même, ça, on peut penser que c'est du Zelda. Hein. Ok, je te parle, tu m'ouvres la porte. Ok, ça sent le piège, ça. Ah voilà, X, c'est pour les roulades. Quand même, le jeu est quand même très bien foutu, quand même, à l'époque, pour l'époque, hein, c'était une bonne claque. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Une clé! Ah, la clé du palais Krazoa. Ok, ça c'est même le truc à Zelda. Inventaire qu'on gère avec C. Voilà. Ça par contre, je m'en souviens ça par contre. Bah, de toute façon, comme on dit, c'est l'un des premiers jeux sortis avec la GameCube. Je me souviens, t'as regardé toutes les pubs dans le genre. Moi j'ai une clé, c'est joli, mais... Ah, peut-être libérer l'autre. Libérer le piaf. Enfin, c'est même pas un oiseau, c'est un dinosaure. Ouais, c'est ça, tu as libéré l'oiseau. Le dinosaure. Alors là, ce méchant, il me fait penser à... Ah. Bonsoir, Wolfie. Hein, il y a une belle tranche de méchant. Franchement, il fait penser à... au capitaine, là, dans Donkey Kong, là, Carol, Troll, ou quelque chose dans le genre. King Krul. King Carol, voilà. Parce que je roulais trop le haut. Je suis pas de maléfique, je suis juste diabolique. Je crois que t'es un peu dans un Sadora, Cristal. Tello, faut que tu fasses F5. Faut que tu rafraîchisses. Ah là, bon, c'est bon, on a fini le jeu, je plaisante. Ah, fuck the police, fuck les généraux. Ce qui est bizarre, on voit mieux sur la vidéo que sur ma... Moi j'ai pas réglé mes... Comment t'as une luminosité sur mon écran, moi? Voilà. Faut faire F5 pour... Je te demande pas de vider le cache, juste actualiser, c'est tout. Jean de l'Est pour le casting vocal. Vous avez atteint le palais pour sauvegarder. Ah oui, donc là, avantage, hop là on fait une petite save. C'est jamais hein, parce que... Il y a des choses qui arrivent. C'est un générateur de tonneaux. Qu'est-ce que t'as à me dire toi? Le roi Earthwalker nous a envoyé pour protéger le palais Krazoa, vous êtes en danger ici. Si vous trouvez un danger, appuyez sur X. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oula, effectivement. Là ils sont un peu... Ok, je peux pas aller là, faut que je trouve un truc pour faire péter ces caisses. Pardon la caméra se gère avec le bouton L. Ah bah tiens. Qu'est-ce qu'on a là? La clé. Ah c'est ça, il y a 3 jours, effectivement, il y a un petit problème. Aïe. Ah ben, ça lui a pété dans la gueule. C'est bien ça. Oh là. Parce qu'il faut peut-être que tu recommences l'opération, c'est pas le même... C'est pas la même adresse mail. Putain, qu'un point de vie, non putain. Je suis mauvais ce soir. Ah, de la santé. Ah, Icos, c'est... Ça me laisse un demi-cœur, c'est pas mal.
Sneakers quand même plutôt bien. Ah ben. La caméra au milieu, on sait. Ah, ça c'est un cœur, ça. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'as toi? Général Scale et son armée de Sharp Claw nous ont attaqué, nous avons essayé de les arrêter, mais c'était trop nombreux. Regardez. Ok, Z, c'est le mode FPS, ok. Ah, il ripop en plus les ennemis, non mais putain. Ça c'est moche. Vous devez quitter cet endroit, Scale s'est déchaîné force du même dans le palais. Soyez très prudent. Pour garder un tous les fois appuyé sur elle et... Il faut emmener le baril là-bas, explosif. Tout en évitant les méduses. Dieu sait quoi. Et on fait péter. Droite. Non, ça c'est pour me soigner. Toi qu'est-ce que t'as à me dire? Les esprits crasois, ces esprits ont des pouvoirs extraordinaires et étaient à l'abri dans le palais depuis des millions d'années. Nous sommes battus contre les Sharp Claw. Nous avons réussi à trouver et à prendre tous les esprits pour empêcher les Sharp Claw de les récupérer. Nous les avons vite cachés différents endroits de la planète. C'est alors que Scales a déchaîné les forces du mal dans le palais. Parce qu'ils étaient pressés de s'en aller, ils m'ont enfermé ici. Ok. Ah oui, c'est vrai. Je te blesse. C'est après faut que j'aille refaire. Alors il y a un ton explosif ici. Franchement les musiques elles sont excellentes quand même. Au cœur et roi ils ont souvent fait des bonnes musiques. Ça. Ça on ne peut pas le nier. Bon. À fond. Je vois ça joue très bien foutu ça. Ça fait bizarre quand même dire aux joueurs après des années hein. Crasoa en besoin de votre aide. Et c'est vous qui envoyez le signal de traîtresse. J'ai envoyé un signal. Comment a-t-il envoyé un signal? Comment elle a reçu le signal? Et comment? Eh bien, c'est pas son gars. Enfin, moi. Le roi nous a envoyé pour protéger le palais sacré des Crasois. Crasois est sans des esprits de paix. Ah oui exact, je crois que la planète elle se coupe, elle se fractionne ou un truc dans le genre. À moins que c'est dans Assault qui se sont... Ah voilà, donc les épreuves ça c'est encore plus drôle dans le jeu. Et je pense qu'il y en a une des épreuves que tout le monde a craqué, c'est je pense c'est l'épreuve finale, l'épreuve de la peur, qui est juste horrible. Bon ça on en reparlera si je continue le let's play. Ça peut-être juste un, ça sera peut-être le jour que je reçois en podcast, tu vois. Je bouge pas, ok, c'est bon. Hop, on va passer l'épreuve numéro 1. Les épreuves donc la première je crois que c'est de savoir où se trouve l'esprit si j'ai une bonne mémoire c'est trop moins. Il y a 6 esprits. Ah bah alors c'est le numéro, c'est l'épreuve de la peur, je crois que c'est le troisième ou un truc dans le genre.
Alors j'ai quoi? J'ai toujours rien. Ah ah. Oula. Alors s'il y a ce logo là-bas, faut que j'arrive à éliminer tous les ennemis. Prendre un petit coup si possible. Hein, si... Ok, là elle se... Tiens, prends ça là. Voilà. On va le prendre par sécurité. Et c'était une mauvaise idée. Ou pas. C'est pas grave, le feu ça brûle, mais c'est pas... Ah, ben voilà, on arrive à la première épreuve. Ouais, l'épreuve d'observation. Je montre pas de suite, il me pourrait m'enlever. Ok. Alors, où est-ce... Ah oui, c'est vrai qu'il faut pas se mettre au milieu, sinon tu prends des dégâts. Là. En plus, je crois qu'ils ont toujours le même pattern, c'est ça le pire. Là. Là-haut. Franchement c'est pas compliqué hein, quand même, ça c'est sympa. Hein. Pas comme dans Super Mario RPG que tu vois absolument rien de ce qui se passe. Là-haut. Et hop, hop, ghost avant l'heure. Ou ghast, je crois que c'est... Il faut vraiment que je revoie ma culture GameCube, moi, sans blague. Hop, on se... T'as vu, maintenant, j'ai les yeux volés, c'est beaucoup plus classe. Hop, un esprit crasois sur 6. Ah, les yeux violets, c'est pété, voilà, on a juste les yeux violets, c'est tout, merci. Tu as protégé l'esprit contre le masque, pendant le pouvoir son inutile. Donc, il faut libérer dans le palais que l'esprit pourra servir à mettre fin à cette guerre. Ok, on va aller là-haut. C'était logique. Je dirais qu'elle a conjonctivite. Ah bah ça peut être que là. Et hop, on libère l'esprit. Hein. Ah perso, ça me faisait un peu flipper ces phases-là hein, quand j'étais plus jeune. Oh du fury. Quoi? Ah, t'as trop de ténèbres, suffirait. Why you're my foreign laser? Boum! Plus ça allume, t'as la vidéo bien. Yes, portail kick! Oh! Y'a une petite référence à Zelda, hein, tant qu'on y est. Hein. C'est gratuit, c'est offert. Sponsorisé par Nintendo. De toute façon c'est édité par Nintendo donc... Par contre ça vas-y un peu le son, ça c'est dommage. C'est le jeu de la pirate. Pamplemousse. Non il n'y a rien Caffine. Tu peux faire tes émoticônes autant que tu veux, ça marche pas.
Pendant ce temps-là, dans un coin perdu du système solaire de l'Iliade. La musique. Ça c'est Sleepy. Ah, c'est là qu'on commence à faire... On a des conneries, hein, Star Fox. Hey Fox, isn't this music getting on your nerves? I'm trying to work on my maps. Yeah. Okay, old timer. Turn it down, Slippy. En plus, il y a que eux qui parlent en anglais quand j'y pense. T'es ta musique, blam. Slippy, it's General Pepper. General Pepper here. General Pepper. I have a new mission for you, Fox. You are approaching Dinosaur Planet, an ancient world on the edge of the Lylat system. As you will see, chunks of the planet have been torn. Ouais, c'est ça, la planète a été arrachée. C'est ça. If Dinosaur Planet explodes, it could affect the entire Lylat system. The only lead we have is that you must locate the Queen of the Earthwalker Dinosaur Tribe. Maybe she can help you further. By the way, your fee has been approved. If you are successful, then the money will be forwarded to you immediately. Pepper! Cool. Oh, non, du pognon. You heard the general. Let's do it. Yeah, on va avoir du fric. Oh! Hop là, c'est bon, on attaque les foies en Airwing. Ah non, je peux pas. Ah bah voilà, c'est par là. Hop, c'est bon. Hein. On a pas le temps de dire les... Afrique, très honnête. Juste un anneau d'or. Donc à chaque fois qu'on doit tracer les planètes, on doit obtenir des petits anneaux d'or. Hein. Ah, gameplay à l'ancienne. Hein. Sinon, c'est pas fun. Hein. Et même des parallels. Go parallel. Il faut juste que j'atteigne un seul anneau d'or pour y accéder, sinon je recommence. T'es bredouille. C'est bon, on peut passer. Oh. Il y a des piou piou partout. Ah, je joue mieux par contre que sur Airwing. Fais attention mine. Ouais, t'es sûr. Ça aurait été la map finale, j'aurais eu les 5 points. Enfin 6. Parce qu'à la fin on te demande que... Hop, une petite bombe. Ils sont après les bombes vu que c'est pas comptabilisé. Hein. Ah, bah, c'était pas un perfect total, dommage. Détruit le champ de force. Ouais, ça c'est fait. Ah, mon meilleur score c'était 1440 à les Ayatouts. Hein. Oh la vache. Là que tu te dis putain qu'est-ce que j'avais farmé sur ça. Allez Tantei. Ah c'est bon, arrête les conneries. D'ailleurs en parlant de Star Fox justement à ses pieds, c'est que en fait on s'est dit ouais sur 64 qu'on voyait qu'ils avaient les pieds métalliques. En fait tu te dis ouais c'est des chaussures mais en fait ils se sont fait amputer les pieds pour que. Ah. Great flying fox. For a moment I thought you weren't gonna make it. Very funny, sir. I know. Now, on to business. By pressing the start button, you will open your communicator. Choose who you wish to speak to, and then press the A button to contact one of us. Each team member will give you different information. It's not being tested in action, so give it a try as soon as I've finished. And don't forget, you're looking for the Queen Earthwalker. Try talking to those Thorntail guys. Slippy is preparing a translator device, but until it's ready, he'll translate for you. Okay, General. But what about a weapon? Why couldn't I bring my blaster? It's always the same with you, Fox. Normal. This mission is about saving the planet, not blowing it up. It Dommage. Requires a different tactic. Try using your head. Yeah, yeah, very funny, sir. Fox out.
Voilà, c'est merci Shell pour avoir expliqué le temps que je finisse de la cinématique. Ouais, c'est qu'en fait c'était pour éviter que l'accélération et tout le travail là qui se... Dans ça, donc évidemment, qu'est-ce qu'on récupère là, comme par magie, hein? Quelle coïncidence! Oh non, t'es connerie là. Surtout qu'elle parle un dinosaure, mais lui comprend. T'as les sous-titres qui comprennent quoi. Comprend rien de ce qu'elle dit, mais il utilise quand même. Fuck it. Ah ouais, donc là on aura des conneries. Hein. On va commencer la baston, on commence à être dans le jeu, le vrai. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des combinaisons différentes, assez meurtrières à faire. R c'est pour se protéger. Après tes systèmes de combat c'est comme dans Zelda, voilà, tu brûles avec le bouton d'attaque, là c'est A. Hop là au moins. Et je vais te protéger avec R. Pour l'instant il n'y a pas trop de combinaisons. Hein. Ah moi je me souvenais, je faisais des trucs pétés là, genre attaque arrière et ça faisait des petites roulettes. C'était puissant. C'est à vous, vous allez te voir et sentir son appel. Ah oui, c'est là que la fonction vibration devient énorme. C'est ça que ça devient marrant la fonction. Ah non, pas encore. Ah si. On peut ranger. Ah oui, c'est vrai que les champis te... Ah ça c'est pour l'énergie. J'ai reçu un cristal d'énergie. Voilà, pour récupérer la santé magique. Hein, voilà. Un peu de santé, ça fait pas de mal. Là on va récupérer ça, je crois que c'est l'essence ça, c'est de l'essence. Ah, une boule de carburant pour l'air wing. Un peu d'essence hein, parce que l'essence il faut... Ah. Il en faut, voilà. Hein. Ah oui, la spore, les spores explosives, ça c'est marrant ça aussi. Ça, je crois qu'après on va commencer à faire quoi de scarbé. Nouveau jeu, non. Il y a n'importe quoi. Donc là j'en ai que 10. J'essaie d'avoir les 10. Oh des rouges. Oh, voilà c'est ça. Alors on va activer le truc, puis après on est reparti. Et par contre, ouais, là c'est pour me dire où est-ce que j'ai. Ça c'est... Je sais pas. Ah ça c'est en attendant que j'ai un truc qui me cible. Ah, et là ça vibre. C'est normal. Le petit jingle de Metroid. J'hésitais aussi à faire Metroid. Hein. Je le cache pas. Qu'est-ce que j'ai obtenu cette fois-ci? Le lance-flamme. Oh ouais. J'aime le nom de lance-flamme. Ah donc ça c'est toutes mes affaires. Ah ça c'est je cache l'interface. Je vais la cacher. Je la cache en attendant que j'ai une carte. Ok.
Mais c'est sensible le stick, oh la vache. C'est sensible. Là on a joué un peu, hein, ça fait pas mal. Ah ouais non mais... Fox il est pas peur hein, c'est... C'est un foufou. Ah oui c'est vrai que là-haut maintenant on a les... Ça y a rien de plus horrible je trouve. Voilà. Ah c'est juste horrible comme truc. Je t'ai pas visé mais j'en ai rien à faire. C'est bon. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il y a là? Là je crois qu'il y a des cosses. Ouais. Il y a des spores explosives à faire planter. Ah, c'est ça, il y a des spores à faire récupérer. Ah, j'ai des spores. La fucker. Stargate. Fuck it. Ah c'est vrai que quand j'étais en plus que 2002 c'était quand même le truc assez Stargate, là c'est sûr que là tu te dis putain je suis comme dans Stargate mais en plus gentil. Oh même Teal qui s'est pas visé mieux. Oh les dégâts. D'ailleurs j'ai déjà rencontré Christopher Judge mais quand tu le vois quand même le... quand tu rencontres Christopher Judge en vrai ça fait assez bizarre, je te dis putain il a pas la marque. Je te dis putain t'as tellement l'habitude de le voir dans Stargate, quand tu le vois là je te dis putain en fait tu vois comme putain impressionnant, et quand tu te tiens à côté de lui, tu te dis mais en fait, mais non. En fait, c'est juste les autres qui se font petits, minuscules, je dis ok. Tiens, je te frappe parce que t'es meilleur. Je vais bien vous aider, mais... Ah oui, exact. Oui, je saute des étapes, c'est pas bien ça. Je saute des étapes, c'est pas sérieux. Hop. C'est bon. Magasin tourne. Welcome to my store. Ça a toujours fait marrer comment il parlait. Non mais j'adore le psh. Ah oui alors là ce qui était marrant aussi tu pouvais faire du... Tu peux faire baisser le prix. Ok. Alors ça c'est des puits, c'est des puits à code. C'est des puits code pour obtenir des codes. Non je plaisante. Ouais c'est pour obtenir des codes. Sauf que vous voyez, vu que j'ai pas la caméra, vous verrez que je suis en train de faire guillemets avec mes doigts. Donc c'est des codes. Pour avoir plus de codes. Alors ça c'est Capcloud. Un artefact à payer, le ballon. Dispositif HUD, un bonbon caillou. Je vais prendre ça. On va essayer de faire un peu les raquets. Ah, pour lui scarabée, oh. Tintin. Ah, on a le bonbon caillou, on a l'objet de quête. Ah, qu'est-ce que nous avons là? Palais crasois, carte pointe tellurique, rocher du dragon, ok. Arcavons-nous ici. Alors là on peut trouver des scarabées, de la santé, des fois.
Alors qu'avons-nous ici, on va un peu explorer. Ok, là c'est les cornes, les cartes. Je ne peux plus parler. Alors, du coup, j'ai plus de crédit de scarabée, oui, c'est pas des crédits. Et là, c'est pas sérieux tout ça. On retourne là-haut. Il faut aller sauver la reine. Hein. Que maintenant on a le bonbon caillou pour tout à l'heure. Attention. Oh, j'ai bien visé. J'active, je désactive. Merde. Ok, c'est un truc qui est activable, désactivable. Ok. Bonjour. Are you okay? My name is Fox McCloud, and you must be the Queen Earthwalker. No, Lord, no, Cadu. Ouais, c'est pas sous-titré. Moi, Prince Tricky Keog Rootsuke. Ah, j'ai compris que Prince Tricky. Ut Kubot Ki Ice Mountain. Did you get that, Slippy? You've got to go to the Ice Mountain and rescue her son, the Prince Tricky. Ah oui. Nice name. Okay, lady, I'll bring your son back to you. Can you give me some directions? Ah, et voilà. On a connu les sports. Oemishweki keo warpstone. Kutso kutsoj wuk feno. Utsujod oe keo. Merci. You've got to talk to that big stone guy. She called him a whoopstone. That's all I need to know. I'll be back soon, Queen. Don't you worry. Haven't you finished that translator yet? It's nearly ready, Fox. I just need a bit more time. Slippy out. Hop. Maintenant, nouvelle mission, hein, nouvel objectif. On commence l'aventure du jour, on revient par derrière. En plus, c'est la même musique qui commence. On a les sous, enfin on a un peu de carburant. On a un peu de carburant, un peu de tout. Donc juste encore des scarabées, hein. Ça, ce sont des choses qui arrivent. On est pauvre, hein. Si, alors où est-ce que je peux récupérer d'autres scarabées? Voilà, parfait. Donc on va acheter la carte de la du Cap Claw et de la vallée. Je vais réactiver le HUD. Donc je vais garder ça en last flame. Cherche l'info, voilà. Ça par contre c'est utile ça dans le magasin. Descendre à 3. Ça marche. Germain, c'est toujours moins de. On peut réduire de 2 scarabées, genre. Barrels. La colonne à la carte maintenant. Alors faut qu'on aille à la Tundra Snow Arm. C'est fortifié. Je crois que c'est le Cap Claw que je vais, hein. Donc voilà, on va aller prendre la carte du Cap Claw. Alors le Cap Claw, non c'était pas l'écrasoir. J'ai les dragons. Bon, je vais prendre pas l'écrasoir. Okay,
Ah bon, on a déjà deux cartes, c'est pas mal, Krasoa et la map principale, donc on devrait être bon. Pour le moment. Après, qu'est-ce qu'il me reste comme machin? C'était la Capclaw. Facepalm. On va rechercher des scarabées, histoire de vite l'acheter celle-là. Voilà, on a la carte. Voilà, on met la carte comme ça. Où est-ce qu'il peut avoir encore des scarabées? Oui, il y a des trucs à faire ici, mais c'est plus tard. Ça, ça fait mal, ça. Bien. Ah, là, il me semble voir un truc. Bien vu. Il y a un truc qui est tombé, mais j'ai pas vu. Ah, voilà. Bonsoir, rigueur. Ok, il y a eu un bruit de tink. C'est parce que je suis appuyé sur mon bouton, c'est bien. Là aussi, y a rien. Ah, là, il y a des scarabées, on va pouvoir acheter la carte. On compte. Ah bah, là, ils y sont tous. Là, on va acheter deux autres cartes. Et on va pouvoir commencer l'aventure. C'est Star Fox Adventure. Alors, en rigueur, il y a pire, il y a un truc qui s'appelle Star Fox Assault. C'est-à-dire qu'il est aussi sorti sur GameCube, mais celui-là, il est pas beau à voir, par contre. Donc, Star Fox Assault, c'est à moitié du TPS, c'est à moitié du shoot à la troisième personne. Ouais, TPS et... TPS et phase de shoot, voilà. Ça c'est 50-50, alors que là c'est aventure et Airwing, donc... C'est Zelda de la tristesse. Voilà, même jusqu'à essayer de mendier les prix. Hop. La chef qui est là pour assistante officielle. Parce que ça je savais pas, je savais que ça était à base sur 64 mais que c'était un RPG ça. Par contre ça a souvent été répandu qu'ils utilisent des personnages, je sais plus quel jeu aussi ils avaient fait pareil, je crois que c'était pour Diddy Kong Racing par exemple sur N64. À base c'était pas Diddy Kong mais c'était comme héros mais c'était... Enfin le nom de l'île, je sais plus. Je sais même plus comment ça s'appelle parce que j'ai même pas joué à Diddy Kong Racing. Ah où ça a service. Ton service. Merci. Bah des fois faut pas chercher à comprendre rigueur. Hein, ouais, je payais 3, je payais 3. Non, allez, je paye 4. Fais un rabais de 20%. Oh, petit abo, on vous aime comme vous. Ah, ça y est, ça marche le pré-start bouton. J'ai quand même gardé un match sur l'or parce que c'est vrai que maintenant je finis 5 minutes plus tôt. Je n'ai jamais avoué. Ah mais il y a des choses, regarde. Ce sont des choses qui arrivent. Ah c'est ça. Continue ce sport ici. Après on se barre très vite. Et on fait tout péter. C'est déjà révisé. Tenez, alors. C'est pas où la suite, c'est par là. Là un peu d'électricité, ça fait pas de mal. Un peu de vie. Un œuf. J'ai fini à 100% dans les larmes de sang. Le mec qui a passé un sale quart d'heure.
spécial car toi à côté tu vas le sentir passer. Mais il s'en fout, il roupille encore. Hein. Ça va pas l'empêcher pour autant. Hein. Alors qu'avons-nous d'autre? Toi tu me bloques le passage donc ça veut dire que je dois pas aller par là. Tiens, je te donne un gâteau, un bonbon. Pardon. Ah, parce qu'un petit rhume, hein, ça fait du bien au week-end. Hein. Moi, je connais un autre de Mighty, c'est aussi chez Rareware, mais... Il faut mieux pas dire qui c'est. What do you want? Well... Can you help us? Je peux vous aider? Non. Help you? No. C'est lui, tu vas te faire... But you're a Warpstone. You're supposed to help. Right. Let's see if I can remember non, j'ai l'avoué du parmi l'un, toi. Okay. Voilà. Conquer Bature Day, voilà, j'y pensais. The Great Monkey Poo. Oh, si, c'est un jeu que je pourrais continuer. Ouais, ça... En plus, il est court. Hein. Alors, labyrinthe, c'est pour... Labyrinthe, je crois que c'est juste... Je sais plus à quoi ça sert. When you have collected a Crozoa spirit, then push right on the control stick. Crotte noire, ouais. C'est tellement énorme ce passage. Il est tellement merdique si je puis me permettre. Hein. On puisse dire alors vers la montagne de glace. Parce que... Ce qui est bien, on te demande quand même de confirmer ton choix, s'il te plaît. Hop, une petite warp sans le... Ouais, cet effet de chargement de loading screen. De toute façon, Conquer Bad Fur Day, dire qu'à la base, ça allait être un joli mignon jeu d'aventure, tout mignon. À la place, ils ont pété les plombs, les mecs. Ils ont fait, bon, ben merde, on va faire un écureuil alcoolo, gore. Et bien, ce que ça marche. Ah bah oui, une warp sans ocarina, c'est pas permis. Hein. Ouais, t'es interdit. Ah, franchement, ce jeu, je dois arrêter d'y jouer sur le champ hein, et mettre Star Fox Assault, hein, qui est encore plus pourri. Baston comme les phoques. On va faire comme les phoques. Non, c'est pas bien. Hein, plus 3. Hein. Alors, c'est Peggy tout public, hein, c'est-à-dire l'ancienne... C'est-à-dire, hein, on montre pas les agressions de bébés dinosaures. Hein. Alors normalement j'ai la carte. Non, j'ai pas la carte pour cette zone. Ah, j'ai pas acheté les bonnes cartes. Alors là, faut que je passe très vite. Pas. D'où l'utile d'avoir toujours plein de sports sur soi. Ouais, c'est Spyro, Star Fox, Zelda, hein, c'est... Ah, c'est fuck it, on fait un grand mashup pour la sortie de la GameCube. Hein. Ah, encore un puits, ah, ça faut que j'y revienne plus tard. Qu'est-ce qu'il me dit pour ça? Casser pour ouvrir. Ok, si tu veux. Là-bas j'ai un truc... Ça par contre mon C il s'est bloqué ça. La touche elle s'est bloquée. Ça. Je dois aller par où exactement? Ce serait bien de m'indiquer. Parce que je suis un peu débile. Ah non, ça c'est pas un truc de... Non, il me semble que je dois activer une... On va faire des connexions de la manette en connexion. Ouais. Petite save aussi. Hein. Un peu de bière pour. Il y a un truc que je dois faire, je pense. Je me souviens qu'il y a un bouton activé, mais c'est...
Peut-être si je me pointe devant, hein, c'est le truc à faire pour le moment. Bon. Peut-être là... Ah ben. Voilà. Allez, re-intello. Ça va péter. C'est bon. On peut commencer les conneries. Petit connerie. Je te skips. Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait faire des combos esquives. Ah oui. Bizarre, tu pouvais, mec, tu l'enchaînais mais en 2-2. Ah ben voilà, ça c'est de la technique ça. Comme je les aime. Ah ça c'était du truc ça, voilà, ça, l'enchaînement de dégâts. Ah, il va falloir un combo épique là sur les jeux de combat. Un Soul Calibur là, tu fais ça enchaînement de 23 hits, 10% de dégâts. Ça fait mal, 10% de dégâts. Alors faire une petite save parce que ça c'est le passage que je foire 3 quarts du temps. Oui parce qu'à la base il doit avoir... Ah voilà. Hey Scaleface, pick on someone your own size. Nyok. Nitskiok. Ah je comprends rien mais je vais te casser la gueule. The Star Fox team. I've come to take the prince back to his home. Hey, wait! Là, je vais te faire une connerie, mec. Cette... Hop, on a... Hop, on commence une séquence en pilotage, en deski, hein, des conneries. Alors là, c'est la jambe séquence où tu maintiens le bouton A et tu te tais. Ça fait longtemps que j'ai plus joué. Oh, vache. Bon, faut juste arriver avant eux, avant qu'ils chopent le tricky. Hein. Ou éventuellement tu leur pètes la gueule. Hein. C'est aussi une solution. Hein. Ça suffit à tout de leur foncer dedans. Hein. En plus ils sont déjà en feu donc voilà. Ils sont en feu donc soit tu arrives avant eux, soit tu leur pètes la gueule. Dans tous les cas, il faut aller très vite. Ah, toi tu dégages, pas en moins. Par contre, c'est, tu maintiens le bouton accéléré, mais j'ai pas l'impression que ça aille très vite, on va dire. Ah, là, je crois que j'arrive vers la fin en plus. Ah, je confirme. Ouais, ah, j'arrive à la fin. Ah, trop tard. Je peux aller assez vite. Ah bah on recommence, hein, try again. Là, un petit fail, ça fait pas de mal. Parce que ça, c'était les séquences les plus horribles dans Star Fox, je pense. Bon, c'est pas grave, au moins ça me permet de faire un peu de carburant. Et on est reparti. On a un fail, hein. Bon ce soir je mets pas le compteur mais bon ça... Pour le faire mais bon pour le peu de fail que je vais faire je peux les retenir peut-être. Hein. Oui Shell. Ah je sais tu vas me dire lâche le bouton d'accélération. Oui il y a un bouton d'accélération de freinage je sais. Ah je suis en tête. Gotta go fast. Ah oui c'est sûr. Parce qu'en fait j'ai fait la tactique, je fonce dedans, j'en ai... je suis en mode rien à faire. Surtout qu'il n'y a même pas de caméra derrière. Hein. Je sais même pas s'ils sont loin de moi ou s'ils sont près de moi. Ça c'est embêtant. Oh, gotta go fast. C'était Genoub au moment qui avait fait un truc comme ça, gotta go fast. Voilà, on est arrivé avant eux. C'est bon, mission complete. Là, deux... Parce que là, tu plonges. Ouais, believe I can fly. Voilà, c'est bon.
Quand même, l'eau elle doit être à moins 10 degrés. Si elle a pas gelé, si on... c'est miracle que ce soit pas scratché. What? I can't understand you. Prends ta chaud. Ah, ça y est. I don't think he'll be doing any bashing. He's been captured. That's why I've been sent to rescue you. He's been captured? That's right. It was your mother. Ah, ça y est, il parle en anglais, on les comprend. Oh. Okay. Ouais. She'll be just fine. But we need to get you home. Voilà, donc on a récupéré, on a récupéré le gosse, c'est bon. On a tes conneries. Ah, donc on a les trois menus, hein. Donc voilà les trois menus, donc on a le menu sac à dos, hein. Qui a pour effet d'appeler Dora l'exploratrice. On a le bâton, on a le menu bâton pour tous les pouvoirs, et on a le menu pour le dinosaure. Voilà, on a vu l'inventaire, on passe pas par le menu start, c'est très bien. Allez, champi. Exact, faut choper les champis là. On fait de la maltraitance de champis en plus. Et que fait Peter? Ah, moi après ça c'est me dire là. Alors tiens, prends les champignons. Voilà. Alors, trouve secret. Ah, il a trouvé un bouton. Hop, reste ici. On active aussi le passage, hein, tant qu'on y est. Hein. T'as, lui, il est parti, ça s'est même pas refermé. Oh, le malade. Alors on va descendre. Ouais, il y a un petit côté Megaman. Non mais franchement là c'est du plagiat total ce jeu. Hein. C'est... Non, ce jeu franchement faut pas l'acheter. Hein. Trouve secret. Hop, un petit un passage à la première personne. Tiens, maintenant t'as le droit de manger un champi. Can you find any blue mushrooms? I'm feeling real tired. Je croyais que tu faisais entre mes jambes, mais c'est pas grave. Qu'avons-nous par là? Ah, la toundra. Ah, mais en plus je crois... Ah non, je l'ai pas acheté. Si, je sais plus si j'ai acheté. Ah, mais non, sinon j'aurais déjà carte. Ah, des méchants. Où est-ce qu'il va ce boulot? Ah, un œuf, parfait. Ah bah voilà. Hop, attaque. Voilà. Ah oui, les champignons ils se barrent hein, donc on a deux champis. Ah pinesse, ah ça c'est des saletés ça. Là, tu me lâches une jarre avec des... Oh, des sarbés. Des scarabées. Ah, ça c'est le maladie. Je sais pas où est-ce qu'il est parti l'autre patate là. Oh, j'ai même pas la... J'ai même plus rien de sa part. Et là, il est mort. Thank you.
semble entendre un... Ouais, c'est ça. Allez, attends. Hop là, un au moins. Même niveau de glace, non mais ça c'est le plagiat total de Zelda là. Où est-ce qu'il est le dernier ennemi que qu'on chasse? Viens, c'est champi bleu. Sens de priorité pas connu, très mauvais. Tiens, on me shoot dessus en plus, c'est moche. Non, c'est pas encore ça pour par rapport au déplacement à lui. Et bim, voilà, t'as tué. Ouais, t'as juste 4 carreaux mais à chaque fois ça dépend. Ouais, bon, merci pour l'astuce. Alors, je vais quand même prendre le dernier champignon histoire d'avoir le... Avoir dû donner toute ta vie d'un coup, c'est mieux. Viens, mange. Mange mon petit, c'est bien. Là, on en a deux. On en a trois. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Dis ma commande ici, RP ou note RP? Racine alpine. Ah, note RP, faisons fou. On va faire sans RP, on est des malades. On arrête de casser le quatrième mur, on arrête des conneries. Hein. Ah, de toute façon, 4K mur, moi ce qui me fait plus marrer, comme je dis des fois, 4K mur c'est hyper bien foutu, comme dans Metal Gear, hein, que t'as carrément, on te dit, la manette turbo, je le saurais. Franchement, quand j'ai fait Metal Gear, en plus c'est récent, je me dis, non mais sérieux. Oh, ça vibre là. En plus, il y a le bâton bien envers au cas où si t'as pas la fonction vibration. Hop, une zone secrète. Oh! Une caverne secrète, ça sent le quart de cœur. Non, même pas. Non, parce qu'en plus, la seule façon de gagner des cœurs en plus, c'est de finir les boss. Hop là. On a plus d'énergie. Je crois qu'il y a en raison de une par zone. Hein, là, donc on passe de la barre minuscule à la barre petite, c'est-à-dire raisonnable. Hein. Ah mais en plus les champignons qui sont revenus. Oh des champignons. Ah, toi je peux mourir. Si je trouvais où étaient les autres champignons. Voilà, tiens. Ah tiens, il y a des trucs qui nous shootent dessus. Alors, qu'est-ce qu'il va trouver? 9. Merci. Voilà. Je vais essayer de voir où il y a d'autres troncs d'arbres, histoire de le shooter. De toute façon, il y a deux, il y en a deux, donc qui dit deux, il y a forcément... Ouais. Tiens, prends cette racine. Oh, charmant. I tell you what, young'un, I'll help you out. Here you are, my boy. This is a scarab bag. By collecting scarabs, you'll be able to buy many useful items. Ok, merci mec.
Là on est à Boursa Ruby. Scarabée. Hein. 50 scarabées, ah, ça devient intéressant là. Ah, tiens. De toute façon il faut en donner deux, hein. C'est obligatoire pour avoir un cube de glace et avancer dans l'histoire. Ah donc on va récupérer le cube et on va pouvoir avancer. On va dire que c'est une étape importante les 50... 50 scarabées parce que je crois que t'en as besoin pour un objet mais j'oublie qu'est-ce que... On verra bien ce que c'est. Évidemment nous on fait le chemin hard hein. On peut pousser, ah non on peut pousser aussi à droite et à gauche. Okay. C'est-à-dire on peut pousser que dans un sens comme dans Zelda, ben non. Le checker on dirait une bêtise en fait. Un peu d'essence aussi, hein, ça fait pas de mal. Les champions aussi. Alors, en plus ça me fait une recharge complète. Alors bon, arrête. Ce qui est bien là, t'as un coup changement d'ambiance dès qu'il fait nuit, c'est radical. Allez, allez Fox, tu peux le faire. Des fois ils se marrent aussi par des tricky, tu te dis mais pourquoi ils rigolent quand même. Allez Fox, c'est bon. On peut avancer. L'eau a l'air glacée, si tu tombes tu ressors très vite. Ok. Au moins hop là un autre alors lui je crois qu'il faut que je revienne beaucoup plus tard dans le jeu. Ouais la racine d'or qui est au magasin qui est au 170 rue Scarabée. Donc là il me faudra plus tard. Là il y a de l'essence. Oh merde je te mets dans l'eau. Là tu peux ressortir de l'eau, tu fais quoi Fox? Bon, on va ressortir par où c'était prévu à la base. C'est-à-dire ici. Ah non je vais pas mourir comme un con dans l'eau. Ah non c'est bon. Exact, faut que j'active un truc avant. Alors qu'est-ce qu'on me dit par là? Ah bah allez, c'est par là qu'il faut que j'aille. Ah non. C'est bon, allez. Donc on a ça en plus, j'active ça. Et on est bon. Ah, là je peux activer. Oui. Ok, 3 scarabées en plus, c'est pas mal. Il fait jour, on n'a pas eu le cocorico, c'est moche. C'est pas Zelda. Donc je peux encore attendre. Ok, donc on y est presque. Alors, qu'avons-nous ici? Oh, gros scarabée. Oh, des scarabées rouges, je crois que c'est 5. Ouais, c'est ça, c'est 5. Là, t'as un truc à faire, là. Fine.
Ah, dis-moi que c'est de la santé. Ouais, c'est cool ça. Ah oui, les baphomades. Oui, les baphomades, c'est les continues, exact. Faut acheter ça en priorité, tiens. Ah, c'est pour ça aussi qu'ils donnent les 50 scarabées, c'est pour que t'aies un porte-baphomade et... Et s'il continue plus tard. Ah, masturbation de manette, inventée par Track and Field, hein, faut pas croire. Ah, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Escarabée. Bonjour toi. 25 scarabées. Bon, soit. Prends les escarabées. Ah, les pots de vin, ça existait même déjà à l'époque. Laisse-moi passer, mec. Merci. Les pots de vin, vous avez compris les enfants, faut toujours en donner aux cards. Alors, je ne sais pas tirer ou elles sont peut-être insensibles à mon lance-flamme. Je crois que c'est ça en fait. Alors. On va vite se barrer d'ici. Oh, en plus il y a des œufs. Allez ici. Heureusement qu'il y a de l'énergie ici. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Ah, des champis. Ah, je suis pas encore au full. Je crois que je peux avoir 15 champignons à la fois, c'est-à-dire 20 champs. Ouais, 20 actions maximum. Là par contre j'ai retrouvé ma carte là, tu vois. Là j'ai pas encore le pouvoir, c'est normal. Ah, donc du coup... Ça va pouvoir revenir ici, hein, ça... Ça a été compris par contre. C'est pas mal. Non, Star Fox quand même c'est une licence qu'en fait j'ai très peu joué quand j'y pense. De toute façon j'ai joué à Star Wing. Star Fox 64 j'y ai très pas joué. Ah, carrément le mec il te fait un saut, il prend que les gars. Quoi sur plein de champ de scarabée en attendant. Oh parfait, headshot. On va prendre le jaune, c'est celui qui doit récupérer le plus. Ah mais en plus il y a même des copains. Tiens. Ah si en plus il y a des ennemis la nuit, c'est encore plus drôle. Lui il a plus cher, ça prendra. On a toujours essayé d'être à fond niveau sport. Hein. En plus ça fait des jolies lumières violettes. Hein. Baston. Ça c'est de la petite baston les mecs, hein, faut pas croire. Hein. Et voilà. Oh, on pose un petit coup de pied là, latéral, genre hop, t'as rien vu.
Oh, les champis. Champignons qui dorment et qui bougent, normal. Hein. On casse le quatrième mur, hein, c'est... vraiment n'importe quoi ce jeu, hein. Franchement. On va aller faire des achats avec ça, tiens. On va essayer d'acheter un maximum de stuff utile, voire inutile. Alors, l'un n'empêche pas l'autre hein, d'acheter du stuff utile comme inutile. Hein. Dispositif, le ballon de l'autre, la racine d'or. L'internet du sol, je crois que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Du coup, je vais prendre ça. You pay this much. Ouais, c'est XS. Après, pour 18. Ah, comme ça, on a le porte-coffre from dad. Comme ça, on peut avoir toujours plus de continu. Ouais, on peut avoir 10 continu, si nécessaire. On va acheter aussi la lanterne. Ça sort toujours. Ouais, c'est 18. Bon, on va pour 19. Bah, ok, va pour 20. On a l'entendre du sol maintenant. Et on peut acheter une carte. On va prendre celle-là. Et hop, pour 4 scarabées comme ça. Ah, on a une carte en plus. On a des lucioles, on a le porte-parfum d'ad. On va pouvoir se garder. Petite save, ça fait pas de mal. C'est jamais hein, les game over, ce sont des choses qui arrivent. Du coup, on va retourner voir Tricky. Tu vas me demander ça ma maman s'il te plaît. Non. Ah. Les méchants avec des champignons. Je savais que les champignons étaient dans le coup. C'est pour ça qu'il faut les bouffer. Ouais. Ça prendra les champignons et dans le coup. Je savais que vous étiez avec les méchants. Ah ouais, 15 champignons chaud max. I'm here guys. Mission accomplished. Contact General Pepper so we can get paid. She's gonna be okay, isn't she, Fox? Ouais, le mec c'est bon. Are you sure you finished down there? The planet's not back together yet. Ah. The Queen needs my help. Fox out. Is there anything we can do for her? We need to find white grub tops. Bah après champignons bleus dans le prix, c'est champignons blancs. To me when I'm not feeling well. It looks like she'll need a lot. Let's take a look around, see what we can find. Ah, on est parti pour rechercher les champignons blancs. Hein, ça... on va aller chercher des champignons de Paris. Ah, c'est bon pour la santé, hein, les champignons de Paris. C'est pas du tout visé, mais j'ai rien à faire. J'ai pas eu. Ça c'est navrant ça par contre. Par contre la visée avec le stick c'est un peu mal foutu. Je sais qu'il y a quelque chose pas là. Tiens. Hop c'est bon.
Okay, Tricky. You stay here, I'll go search down there. But I need to help my mom! And you will be by staying out there. Okay, Fox, but hurry up. My mom looked real bad. Sans blague. Ah, c'est bon, on l'aura pas dans les pattes, lui, c'est très bien. Oh, il y a les champis toxiques. Oh la vache. Ah. Ça, ça sera la technique à prendre, ça. Quelque chose me dit qu'on va avoir un nouveau pouvoir ici. Ah, le bouclier, ça protège tout, c'est ça qui est bien. Ou presque. Alors là, il faut que je mette une support. En plus, c'est ma manette qui vibre. Qu'est-ce que je disais? Surtout que le truc, ça fait pas le truc suspect du tout, hein, ça... Non, même pas, c'est même pas du genre, on met le bâton en verre et ta manette qui vibre au milieu d'un truc d'eau, non, pas du tout. Ah, nouveau pouvoir, parce que quand il y a amélioration d'énergie, il n'y a pas d'eau au milieu. Propulseur, ah ben voilà. C'est ça qui me manquait. Ah oui, c'est vrai que j'appuie sur A pour quitter. C'est pas comme dans Zelda où tu passes le truc et hop. Alors, après, maintenant qu'on a de quoi propulser, faut trouver par où aller. Ah, y a un truc à faire ici. Ah ah. Ouais, c'est ça, là, tu peux faire ton troll. Voilà, ça c'est mieux. Ah ouh. Alors, maintenant, faut trouver des propulseurs. Ah, propulseur ici. Sauf que ça coûte bonbon, merci amélioration au début. Graine ici. Ok, je me trouve de ce côté là on fait péter et puis voilà, ça fait un carré de terre magique. Oh, même Minecraft tu fais pas mieux que dans Minecraft tu faisais péter ça avec une structure, c'était pareil. Ah oui, aussi les dégâts de chute, ça, ça on peut les éviter si on pense à appuyer sur X, hein. C'est pas comme dans Zelda où tu as juste à maintenir le stick. Hein. En train de tester Shootmania. Alors perso Shootmania, j'ai pas joué, on m'a dit ouais prends-le, il est bien, et moi comme je dis FPS c'est pas mon truc. Hein. Ah non, pas encore cette feignasse. Ah bah voilà, bah oui c'est ça. Alors, s'il y avait pas de lanterne, il faisait non, tu passes pas, tu vas t'acheter une lanterne, espèce de pauvre. Les mecs se mettent toujours à côté que je savent que je vais planter des trucs. En café, il n'y a toujours pas d'émoticône. Alors à moins qu'il faudrait que je mette le truc en je fasse F5 sur le chat, mais... rien du tout. En plus j'ai la carte, ça c'est bien. Ah, que vois-je là-bas? Des chauves-souris. Des chauves-souris, oui. Ouais, et lanterne, luciole. Ah ouais, je... c'est alcool, hein. Non, je plaisante. Moi, comme je le dis, c'est un jeu sur lequel vous voulez que... lequel vous voulez que je vous harcèle, c'est Warframe, hein, que j'y passe un sacré moment dessus. Ouais, champi blanc.
dois en trouver 6. 1 sur 6. En plus, pourquoi tu as besoin de ça alors que t'as juste à maintenir à peine R et t'as de la lumière. Ça sert à rien, franchement. En tout cas, ça fait juste un bruit, dans les oreilles, mais c'est pas grave. Ça implique juste de faire ça régulièrement, mais c'est pas grave. Bah, généralement aussi, quand t'es devant un truc, tu vois bien l'icône C qui se mobilise de toi. Voilà. Ces jeux de lumière ça coûtait trop cher là, ça... Ah, en voilà notre. On a 2 sur 6, c'est pas mal. C'est un bon score. Ah, il m'en faut encore 4. Ah, où sont les 4 autres? 3 autres. C'est ça, ouais, j'en ai 3. Je devrais aller là-haut, je pense. Ah, faut que j'aille là-haut. Nuance. Ah ah! Ah, il est sûr, ça sert à rien. Hein. C'était prouvé scientifiquement. Ah, ça doit faire ça en plus. Eh ben, recani. Ah ben voilà, ce serait pas... Eh si. Le pouvoir de propulsion. On y va. Dinosaure planète. Non, non, c'est un fuck, ça touche. On a les 6 lucioles, c'est plutôt bien. On a 4 de champi, il en manque que 2. Ouais, je sais compter. Ouais, c'est ça, je sais compter, c'est bon. Ah bah voilà les deux derniers. Chopez-les. C'est bon, j'ai 6 champi, je peux remonter à la surface. On peut rentrer à la maison. On va essayer de récupérer les 3 autres, 4 et le 5. C'est bon. On peut rentrer à la maison. On va pas tirer. Alors je sais pas de quel côté faut que je prenne l'échelle, c'est navrant. Encore des échelles partout et toujours, il est 28, merci. Alors, bon, lui qui dort toujours, ça ne bouge pas. Cette esquive de malade. Oh. Hop, sécurité. Voilà. Évitez de prendre les dégâts là. Voilà, et on monte. Et on monte. Alors Kani, la question n'a pas été posée, mais j'ai déjà répondu, hein. De toute façon, moi, c'est... C'est genre de question, hein, j'y réponds même si on me la pose pas, hein. C'est... Donc j'avais déjà répondu, oui, c'est déjà un GTA... Non, je te laisse poser. Elle me fait, est-ce que c'est un truc qu'elle fait de like? Oh, non, pour mieux. Elle va me sortir, est-ce que c'est un truc qu'elle fait de like? Oh, il pleut, non mais histoire d'accentuer encore plus, non mais... Ah bah tiens, il y a des champis là, je vais t'en donner un. Bam. Et j'ai vu qu'il y a des champis. J'ai plus champis. Tenez, la reine. Tenez, débouchez à la reine. Quoi, c'est rapide pour soigner avec les champis blancs. Okay, okay, enough of the thanks. Now I need some help from you. Can you just tell me what's going on? This is all the work of General Scales. Évidemment. He is the ruler of the Sharpclaw tribe.
A nasty bunch of pirates who have always wanted to rule Dinosaur Planet. We have always been able to stop his attacks. But this time, he's somehow become and defeated our army. J'avoue, chef, tout ça pour pas faire le boulot, quoi. Right, a bad guy. But how did the planet get in such a mess? Within the Krizoa Palace, he broke the seals of the Force Point Temples. I'm listening. This planet is rich with a magical force. A force so strong that it is continually pushing our world apart. To stop this, four spellstones were placed inside the Force Point Temple. Ah, je me souviens à propos des palais du Tellurique, t'as un palais, mais il est juste excellent. With the seals broken, scales entered the temple. Attends, quoi, je pense. Unité du jeu vidéo sexiste. With nothing to hold back the magic force, the planet was torn apart. Et ouais, il manque l'essence. So, the bad guy takes the spellstones, your planet falls apart, and I've got to find the spellstones and bring them back to the Force Point Temples. See, Mom? I told you he was good. Starbucks, yeah. My son will remain with you, for only a dinosaur of noble birth can breathe life into the spellstones. Ah, il se la pète en plus. What? That's okay, but don't you think he's a bit young? Traduction, je le veux pas avec moi. He knows the planet well, and I'm sure he's shown you his sidekick skills. Oh yeah, I forgot about those. Come on, Fox, we'll make a great team. Okay, but if you mess up just once, I'll send you straight back to Mommy. Okay, yeah, yeah. Good. Now, our spies have indicated that Scales quand elle est au milieu de classe, notre traduction va faire marche arrière. I know the gatekeeper, Garunda Tay, a silly fellow, but he can guide you to the spellstone. Go back to the Snowhorn Wastes and find him. Ah, et puis même dans la caverne, je ne me rends compte. And Fox, I think you'll need this. The Shark Claws dropped it when they attacked me. Maybe it'll come in use somewhere. Okay, enough already. Can I just get on with it? Là, on peut récupérer la clé. La clé des mines, c'est pas mal. Donc on peut repartir. Donc là, on va... Peut-être que je m'achète la carte, les cartes restantes. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à récupérer par là? Oh oui! Oh, en plus c'est des gros. Oh la vache. Ça c'est un beau score ça. Hop là. 5. 3. Et y'a rien. Et c'est bon, on va pouvoir y aller. Ah tiens, là il y a un truc à faire. Ouais, cherche. Cherche mon petit, cherche. Ah bah tiens, on continue. Enfin dois-je dire, General Pepper here. Un bof home dad, merci. Merci General Pepper. Non, c'est Paper. C'est non, je ne chanterai pas. Je pensais que Fox c'est un jeu d'avion, oui. À la base c'est un jeu d'avion, oui. Enfin un jeu d'avion entre guillemets. Hein, ouais. Faisait... Même en 2002 on révolutionnait les gens. Hein. Ok, là ça sent la zone secrète à 3 km. Voilà, 2. 3 et 4. Le jour Igor, pas mal. Quand même la communauté Soul Calibur, si je m'abuse quand même, je veux dire le meilleur joueur, je dois vous dire c'est la meilleure joueuse, c'est
quand même une femme là, la meilleure joueur sous calibre, hein. Joueuse plutôt donc. Hein. De toute façon, comme j'ai de toute manière quand même c'est assez axé sur les anciens jeux bien bien nerveux. D'après ce que j'ai lu et d'après tous les commentaires, mais... Dis-moi les jeux... Je vois, il faut des réflexes, ça me suffit. Hein. C'est aujourd'hui. Beau sort tout bien. Code à montagne nue, j'ai dit que je faisais des emplettes avant d'y retourner. C'est pas grave. Ça, ça... Voilà, double. In your nose. Alors, après comme je dis, moi me demandez pas les noms des champions, je connaîtrais pas, hein, moi je veux dire. Il y a que très peu de noms que je connais, Gabriel, AM, Dame Dame et c'est tout, parce que voilà. Je les connais parce que voilà, je les ai vus en vrai au MAGS, c'est tout. Moi je les connais que pour ça, sinon bah pourrait encore me demander des noms, je dirais. Ça serait un peu bête. Alors Kurt de la colle de la laine. Mine des glaces, c'est ça qui va me foutre. Ah, c'est pas assez. Allez hop, oh, négociation réussie, oh, dans ton nez. Ah, donc on a une mine de glace en plus, c'est bien. Cité fortifiée... Toundra showdown, c'est ça qu'il me faut. Oh, et puis j'ai pas envie de négocier, c'est bon. Comme ça, ça me fait un compte rond, c'est bon. Ah, comme ça, on a de plus en plus de cartes. Est-ce que c'est un GTA like? Alors bon, je vais répondre une fois pour toutes. Il y a des phases en Airwing. Donc, on a les véhicules. On a le véhicule. On tue des dinosaures. Et c'est un monde ouvert. Donc je pense que c'est un Jurassic Park GTA like. C'est un mélange entre Jurassic Park et GTA like. Donc voilà quoi. Ah, c'est un gros nawak. Hop, on va même s'acheter une upgrade parce qu'on est riche. Qu'est-ce qu'on peut acheter là, on achète le ballon, non, ça c'est quand je joue tout seul. On va acheter ça. Voilà, comme ça on a un matos en plus. Pam pam. Ceci est le dispositif d'affichage HD du Fox. Ah bon, maintenant qu'on a récupéré le... Voilà. En plus on a le zoom intégré jusqu'à x13,23. Hein. C'est plutôt utile pour se repérer. Hein. Franchement, s'il n'y a pas une émote point cake, c'est pas moche, c'est moche, c'est pas utile. Table flip, oh. Ah, il me reste un quart de rouge. Oh, ça doit être bon. On speedrun le jeu, non, je peux. Ah, peston. Merde, je lui mets l'enchaîne les coups. Alors. Ah, par où sommes-nous venus? Ah non, pas ces emmerdeurs. Tout droit showdown, c'est pas là. Ah mais c'est bon. Par là. Ah oui, celui-là. Ah, c'est beau de connaître la table à ski aussi par moment, ça sort des petites émoticônes jolies.
Ça fait des carrés, ça fait des cœurs, ça fait des losanges, ça. C'est tout mignon, c'est tout beau aussi. Assis. Assis, le chien. On va changer de sens de courant, hein, c'est... Sinon on peut pas faire marche arrière. Hein. Alors, je pense avoir assez d'énergie pour le coup, donc ça doit être bon. Aha! On va s'arrêter là. On va shooter ça là-bas. Voilà, du premier coup, on récupère de l'essence et on est reparti. Hop là, un Twix et ça repart. Il y en a qui voient les émoticônes de Twitch là sur. Non, faut que j'inverse le courant. Ah. Encore un peu de temps, mais ce sera récupérable pour la suite. Ah mais quel boulet quoi. Ah c'est bon, il a compris. Ah coucou cake. Après si j'en profite qu'il y ait du monde quand même, s'il y en a certains qui savent comment on paramètre une virtuelle machine sous Windows 95 et 98, histoire que la semaine prochaine je fasse un jeu de quiz qui est assez épique hein, pour... Donc, c'est-à-dire, j'aimerais quand même faire un live You Don't Know Jack, si vous connaissez pas, c'est un jeu auquel... C'est un jeu de quiz assez épique. Donc pour ça, j'aurais juste à passer une seule question et après le jeu il crash. Hein, je pense que j'ai mal réglé les configs de mémoire vidéo, mais bon, ça... Ah, Shark va faire son petit live. Je serais curieux de voir ça, tiens. Non, non. Ah, je brûle le bouton Y, mais je m'en fiche. Je les aurais. J'utilise des... Bon, mais en fait, je crois que c'est hyper inefficace. On se barre. On se barre. Là, c'est par là, tiens. Ah, merci, toi. Merci, mon cher. Merci, Gérard, pour le passage. Alors, qu'avons-nous ici? Une map. Il y a musique de combat. Ça sent l'ennemi. Ça sent l'ennemi. Ah, bonjour toi. Ah oui, cette séquence, tiens. Ah oui, ça. Genre, on va voir un beau Gavin. Pardon. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que... Exact. Je crois qu'il y a un truc à faire avec Tricky. Il faut que j'arrive à activer des herbes gelées. Qu'est-ce que c'est ? Oui, l'arbre à... herbe gelée. J'aimerais l'acheter. Par contre c'est un peu mal foutu le système du L, ou si c'est ma touche L qui déconne, ce qui est aussi possible. Allez, chute-moi. Bim. Ah non, bah, il suffit juste que je range mon... Ah bah voilà. Ah c'est ça. Aïe. Ça fait mal. Aïe, moi faut que je le protège, moi, c'est ça. Ah il a pas apprécié ça. Ah, c'est ça, faut que juste que je le guide. Tiens. Juste... on va faire péter un.
mieux que j'ai ça sur Y. Allez. De toute façon, ça consomme pas de champignons, ça, c'est technique. Ah, il a un peu lui. Yep. Oh, tu vois, je trompe de super couteau. C'est bon. Ah, the young prince. Who is this with you? Mais bon, ça c'était. This is my friend Fox McCloud. My mother sent us to find you. Well, I am Durandate, Spellstone Gatekeeper of Dark Eyes Mine. We're looking for a spellstone. Je me demande quand même avec tout leur... Comment ils font pour mettre leur... leurs bracelets, leurs vêtements. Comment ils font tant Fox? Je comprends, mais Sam, ils font comment? Comment ils font? Ça le jeu vidéo, pardon. Allow him to take the spellstone back into the sacred land, or he would destroy my tribe. I could not risk the safety of the entire planet. So I refused to help. My daughter did not think this way. And so to save the tribe, she opened the gateway herself. Scales did not destroy the tribe. He enslaved them instead. My daughter dishonored me. You must search for the spellstone. Franchement, la fille, elle a déconné là sur le coup. And return it. Côté, elle voulait sauver son peuple, donc ça se comprend. Hein. Ah voilà, donc maintenant on va retourner à l'Air Wing, on va faire phase de shoot et on va s'arrêter là pour ce soir. Hein. Ah, j'ai un appel. Ah, faut être sauvegarde. Hop là, donc on va rentrer à la maison. Parce que la maison c'est bien aussi. Hein. On va manger. Là, faut arriver à rentrer à la maison. Quoi. Voilà, bon, on a la fausse santé. Ah, putain, ça c'est... Ah, eux, ils sont horribles. Normalement, il faut pas l'enfer aussi. Alors, d'après ma carte, ça c'est par là. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Pépi? Hi, Fox. Fox, I've been studying your... Scanners indicate that this is your current position. Scanners indicate that this is your current position. Ah bon, c'est okay, ça, ils me disent de retourner à l'Air Wing. Du coup, tout à l'heure, on a fait du gain de temps. Youhou! Ouais, pique ça. Ok. Pas des pignesses. Alors, c'est par là. Bon, bah, là, je crois qu'il a, il prend Shark direct, c'est rien que pour la page. Ah, c'est bon. On est rentré. On va faire une phase en Air Wing parce que quand même, ça s'appelle Star Fox, hein, faut pas déconner, les mecs. Hein. Déjà, votre sortie est pas là. Parce que j'aurais bien fait du shopping encore, mais bon, ça, il y aurait pas la phase en Air Wing. Sinon ça s'appellerait pas Star Fox quoi. Oh t'es chiant. Ah c'est bon. Ah il m'a fait de dégâts, c'est bien. Ah on va faire un petit dernier pour la route hein. Un dernier pour la route et on est reparti. Hop, on est parti. Alors là, on va commencer les phases de shoot hein, aérien. Hein.
Merde, hein, ça s'appelle Star Fox. Hein, le... Alors, dinosaure planète, mine de glace. On est parti. 3 anneaux d'or. Ok. À la fin, c'est 10 anneaux d'or. Oh. Ça, c'est moins drôle. Ça veut dire t'as pas le droit à l'erreur. Hop. Ah, ça, c'est du phase de shoot comme on les aime bien. Alors. Hop, une bombe. Ah non, ça va rien. Hop, une amélioration, c'est pas mal. J'ai raté un anneau d'or. Ouh, c'est bon, j'ai plus. Ah, ça y est, aussi le tir automatique, mais c'est très lent, le tir automatique. Ah, oui. Merci. Une petite bombe finale. Et voilà, c'est bon. Yeah. Tiens, j'ai pas fait de barrier world, ça déconne. Alors du coup... Oh, quatrième meilleur score. Oh, not bad. C'est ici ce que j'oubliais d'en faire un, parce qu'au début j'en avais fait plein, la première fois que j'ai fait, mais bon. Parce que d'habitude j'en fais plein, mais là j'en ai pas fait, voilà. C'est pas sérieux tout ça, ça manque de rigueur. Hein. Pour la peine, j'ai envie de faire presque, on fait une save, on fait quitter save. On va quand même sauvegarder, tant pis. On se terminera pas sur un barrel roll. C'est pas sérieux tout ça. Don't let us down, Fox. I know you can do it. En plus, les barrel rolls, c'est hyper moche dans celui-là. Ça fait un rond tout moche, ça fait même pas un vrai barrel roll. C'est le network, enfin bref, donc... Donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi le stream et je vous dis à la semaine prochaine pour peut-être un quiz hyper épique sur un jeu hyper épique sur un jeu nawak et avec encore des francs. Allez, à la prochaine.